s'appelle Sidiki Diabaté. Nous chantons à l'instant son titre, Oukadjougouya. Le plus beau cadeau de Dieu, c'est d'avoir la bonne santé, une longue vie près de sa famille. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Astuces Santé. Astuces Santé, votre capsule qui vous donne certains détails sur les aliments que nous consommons au quotidien. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du gingembre, comme une noix appelée le nyamaku. Qu'est-ce que le gingembre? Pourquoi consommer du nyamaku? Comment consommer du gingembre? Quand est-ce que l'on ne doit pas consommer du nyamaku? Vous aurez droit à toutes ces réponses dans Astuces Santé aujourd'hui. Mais avant, on continue encore avec cette belle voix. Revenons au gingembre, mesdames et messieurs. Le gingembre est une plante de la famille des Ingibéracées. Il est aussi une plante à fleurs dont le rhizome, racine du gingembre, est largement utilisé comme épice et médecine populaire. Il est également originaire d'Asie du Sud-Est. Son image remonterait à plusieurs millénaires, tant pour ses vertus culinaires que thérapeutiques. Mais aujourd'hui, nous en trouvons un peu partout dans le monde. En ce qui concerne la consommation du gingembre, le gingembre doit être consommé de manière quotidienne. Parce qu'il protège contre certaines maladies, il est donc l'un des aliments à privilégier pour prévenir et contrôler les problèmes de santé courants. Il faut savoir aussi que son rhizome renferme une large plaquette de nutriments qui réduisent la fatigue, soulagent les inflammations dues à la toux, le rhume, les migraines et j'en passe. Le gingembre est donc un puissant antioxydant. Il favorise une meilleure digestion, traite les nausées et vomissements. Le gingembre est très bon pour le cœur et les fonctions cardiovasculaires. Il faut souligner encore que le gingembre est un allié puissant face au diabète. Pour la consommation du gingembre, on peut utiliser le gingembre étant frais ou sec. On considère en général qu'il faut consommer un minimum de 500 mg par jour de gingembre sec pour observer des effets notables sur l'organisme, soit 2,5 g de gingembre frais. On peut extraire le jus et ajouter d'autres ingrédients pour prévenir et guérir certaines maladies. En cas de rhume, mal de tête, etc., vous pouvez mélanger le gingembre, le citron et le miel pour vous soulager. Mesdames et messieurs, par contre, si vous prenez des médicaments qui fluidifient déjà le sang, sa consommation peut s'avérer dangereuse. Il faudra consulter votre médecin. Le gingembre peut se manger cru, sec ou cuit en prenant bien compte de l'épluchier. En cas de surdosage du gingembre, il est possible de voir apparaître certains effets secondaires indésirables, principalement des brûlures et maux de l'estomac, gaz et ballonnements, diarrhée, menstruations plus abondantes et nausées, alors qu'en dose classique, le gingembre est un remède très efficace. Le gingembre est donc un aphrodisiaque. Pour ceux qui ne connaissent pas le gingembre, il se présente ici. Voilà.
Il est très bon, efficace, à ne pas négliger. Mesdames et messieurs, en jus, on doit retrouver ceci. Vous le voyez, en jus? D'accord. Voilà. C'est avec ce gingembre en main que nous allons mettre fin à notre rubrique aujourd'hui pour se donner rendez-vous dans 2 semaines. Mesdames et messieurs, d'ici là, portez-vous bien et avec ce gingembre, vous pouvez vous sentir encore plus bien. Je vous aime, je vous embrasse. On termine avec toujours Sidiki Diabaté.